Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode 2. Starbound V5, please girafe, c'est quoi cette épée Godmiché? Oh la gueule. Je vais pas la prendre parce que ça me fait peur. Bon, ok. Cet épisode commence bien, j'ai réussi à placer Godmiché dedans. Bref. Hop. On va même les placer à côté de ça, un gros paf, voilà, même un petit coup de paf. Non, attendez, pour ça, il faudrait que je place un petit peu de pif. Voilà, pour placer du pif, je peux placer du paf. Voilà, comme ça, je risque pas de la louper. Et il y a ces saloperies. Ah genre, quand je remarque dessus et qu'ils sont fermés, ça me fait des dégâts aussi. Moyen ça, je trouve. Moyen. Why not? Ah, des Vulpix. Et tiens, en fait, j'ai pas suffisamment testé ça, chers amis. Vu que ça va devenir une nécessité dans les prochains épisodes. Nothing, nada, sleep. Mon dieu, c'est rempli de rien. Je peux pas les scanner? Hop là. Bon, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Quoique pour ces saloperies, non. On va y aller comme ça. Et dégage. C'est vraiment génial de les voir voler à ce point-là. Oh. Et yop. Non, raté. J'avais déjà fait des dégâts sur lui. Ouais, magicien, comment vas-tu? Tu vends des steam packs? Je vais t'en prendre, disons... une centaine. Hop, merci à toi. Même plus que ça, voilà. Ça m'en fera un petit stock. Et je récupère tout ce que tu as là. Et tu décèdes. Tu peux pas me rendre mon argent? Non, tu les avais déjà dépensés. Je me disais bien, les péripatéticiennes ça passe vite et ça coûte pas cher. Normalement c'est pas l'inverse, c'est que ça prend beaucoup de temps à trouver et... quoique, ça dépend où vous habitez hein. Oh, la portée de cette attaque est magique. La portée de cette attaque est vraiment magique. Ok, on retrouve notre vitesse parce que ça s'est coupé. Enfin coupé, ça, tout est relatif. C'est mis en pause on va dire plutôt, au niveau de la tempête de sable. Ah, un coffre qui pourrait nous intéresser potentiellement. Grenade launcher, rien du tout de plus. Bref, écoute. Pour ce qui est des lance-grenades, je laisse ça aux noobs, moi. surtout que j'ai risqué de me péter la tronche avec. C'est ça qui serait dommage. Hop, non. Non. Oh, il a eu le temps. Il a eu le temps, chers amis. Il saute haut, ce machin-là, dis donc. Hop, les. Ils sont nombreux, en plus, dans le coin. Dégagez. Hop, les problèmes résolus. Coffre avec quelques diamants, quelques minerais. Toujours intéressant d'en avoir en quantité. Aïe. Ok. Honnêtement, j'ai bien envie de me planquer. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Pluie de météorites, chers amis, bienvenue. Oh là 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 là. On a vraiment pas de chance. Ah, sur le château, ça peut être tellement rigolo. En plus, normalement, il y a une pièce secrète dans ce château. Et voilà. Il doit tellement avoir l'air con maintenant, le roi dans le château. On va rigoler. Hop, hop, hop. Normalement, je suis à même d'ouvrir la porte. Ah, dommage, je voulais l'enfer. Ah! Il a un gun! Merde, j'ai pas réussi. Hop les! Problème résolu! Hop, dégage. Oh non, la tempête de sable, elle a repris. Crac, dégage. Ah, par contre, s'ils se prennent pas de dégâts de chute, je rage. Ils sont pas prêts.
Ils ne s'en sont pas pris, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça va vraiment falloir que soient intégrés les dégâts de chute sur les monstres parce que sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Je peux comprendre qu'ils prennent pas de dégâts dans la lave parce qu'on est sur une planète de lave, ils y sont habitués. Oh d'ailleurs, un lance-flamme. Tiens donc, ça peut être une bonne chose à faire, tiens. Ça va nous changer un petit peu. Crac. Ah. En voilà une arme qui dépote. Comment ça, les conventions de jeu... Non, c'est... Bah... Ah oui, d'accord. Ouh. Ouh, ça fait mal. Il y a de la lave là-dedans. Là, autre chose. Oh, bonjour. Comment ça, les conventions de Genève, tout ça? Non, c'est faux. De toute façon, je ne suis pas au lance-flamme, je fais un barbecue. Raté. Il a décidé de se suicider comme il n'arrivait pas à m'avoir, le pauvre. Oh non! Mais non! Je suis venu exprès sur une planète qui n'était pas de type volcanique! Non! Eh merde, j'ai pas le temps de me soigner. Putain. J'aurais pas dû mettre de la lave au spawn. J'aurais pas dû mettre de la lave au spawn, chers amis. Bon, on y retourne. What? Mais pourquoi tu me fais repop ici? Parce que j'ai mis de la lave au spawn. Ah, le sac. Oh bah, un petit bain. Bah voilà. On va y arriver. On va y arriver, chers amis, ne vous inquiétez pas. Heureusement qu'on a fait des réserves dessous. Si tu me recoules dans la lave, ça va pas le faire. C'est parce que j'ai mis de la lave au spawn qui m'a mis là, seriously. Dis-moi que c'est de la santé. Dis-moi que c'est de la santé. Ok, je vais me faire entuber. C'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude depuis le temps. Bon, bah on a fait le tour. On n'a plus qu'à descendre. Si je puis dire. Ok. Hop, on a vu j'en ai marre à droite, c'est génial. J'ai enlevé les notifications, je comprends pas pourquoi ça me les rajoute à chaque fois. Vous êtes nombreux en plus, bande de sacs. Ok, régène, creusage. Hop. On va bien voir. Peut-être tomber sur quelque chose de sympa en profondeur. Non, pas ces monstres. Ça fait un bruit de tapette à mouche, n'empêche. Donc c'est peut-être pas si mal. Hop, les ma grosse tapette. Tu la sens, ma grosse tapette à mouche? Yo. D'ici là, qui me rejoigne, celui-là, par contre. La distance à laquelle je suis... Ah, coffre. Aïe. Ni plan. Ni arme. C'est vraiment dommage. Retourne à ta place. Retourne à ta place. Retourne à ta place, je t'ai dit. De la santé, de la santé, de la santé, de la santé. Du poison. J'aurais dû m'en douter. Je l'ai réclamé. Je l'ai bouffé. Voilà, c'est de ma faute. Tout ça. Et vous comptez me faire mourir de poison? Parce que j'ai quand même mis un steampack dessus. Un steampack à 20$ et... Voilà quoi, c'est que c'est pas... C'est pas sympa quoi. Tout au long de la journée, moi j'ai fait quelque chose. Ok. Yo. Ah, intéressant.
J'aime bien le donjon de lave à côté du biome de glace, c'est vraiment sympa. Une hoe que je ne vais pas prendre. Par principe. Je ne suis pas fermier. Pas encore. Ça va arriver malheureusement dans la 1.0. Hein. Il va falloir qu'on passe par là, chers amis, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, on verra bien. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Faut être honnête, ça peut être sympa. Hop, oui, je casse des installations militaires. Et alors? J'en ai foutre couille, rien à faire. Oh. Vu que j'ai apparemment cassé la dernière porte de Challenge Room. Comment j'ai fait? J'ai... Quand tu casses les... D'accord, tu peux casser les blocs en dessous. Le mec qui faisait des tentatives bizarres de choses complètement étranges. Eh oui, tu peux casser les blocs en dessous. Je savais pas. Honnêtement, je savais pas. Surtout pendant un temps, il y avait un bug. En fait, si tu cassais un objet en récupérant le bloc en dessous, tu pouvais potentiellement faire spawn l'objet en question. C'est pour ça qu'on avait certains avaient des trucs de pod infinis entre guillemets. Donc ils posaient leur pod, ils essayaient, puis hop, santé, crac, génial. C'est du caillou qui est très très dur. Mais oui, comme ma... Bref. Raté. Recule. Recule. Un diamant. Remarque, j'en ai avoir un paquet de diamants sur moi là. Bah, un de plus en tout cas. Ça m'en fait un total de 36 diamants. Sympa. Ah, on arrive en bas de la planète, vous voyez, quand c'est plus du poison ou des... c'est de la lave et du lierre, on a oublié le lierre, il y a les pics mais il y a le lierre aussi, exact. Exact, exact, exact. Eh bien écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, non pas trop bien dans la barre de la chaîne, quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vais m'assurer de ne pas tomber sur une planète volcanique dans le prochain épisode, merci d'avoir regardé celui-ci, c'était Marcus Venus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop.